Et re tout le monde, c'est Montensant. On se retrouve une nouvelle fois sur The Witcher pour la suite. Alors on était sur les quêtes toujours annexes, hein. Bien entendu, il faut avancer un petit peu sur les quêtes annexes. Ici, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qui s'y trouve? Ok. À la blette. Bizarre ça de nous faire passer à travers champs comme ça. Très bizarre. Continuer à pied. Apparemment, ça serait par là. Oula, il y a du monde ici. Putain, pourquoi c'est toujours pour ma gueule les arbres là? Incroyable ça. Ça me casse les burnes, toi. Oh, c'est quoi ça? Sans doute le manoir veut parler à la vieille femme. Bah, sors pas ton épée, connard! Manoir a de nouveaux occupants. Putain! Merde, hein. Vas-y, bah, faites-vous plaisir. Hein. Oh, je vais pas crever ici, quoi. Fuck. Bordel. Oh mais tout à l'heure il y a un boss qui m'est tombé sur la gueule là. Oh la vache. On va manger le dernier fruit. Encore un spectre. On va les laisser venir. Ah oh, putain. Je crois que j'ai même pas besoin du... Un spectre là-bas, là. Ouais, j'en avais pas besoin. Retourner voir Dolores, c'est déjà fini? Ok. C'est un petit truc là. Hop, histoire de se mettre full vie. Bon bah écoutez.
Après, le manoir, je sais pas où il est. Hein. Pas vu. Hein. Ah, ça doit être là. Bon, on va visiter un peu les lieux, là. Ici. Un journal en piteux état. Un journal de Dolores. Un journal intime. Ok. Ça explique en fait. Ça explique ce qu'elle a dit en fait. Elle est tombée amoureuse d'un gars. Est-ce qu'on peut monter? Alors, il y a ça ici. Ok, on va faire la grange. Ok. Requiert une clé. Rien ici. Hein. Tout ça c'est fait. La grange c'est fait. Le manoir. Il reste plus que le manoir, hein, je pense. Ici y a rien. De la vieille femme. Il y a un coffre. Ça, on s'en fout. On va ramasser la pipe. Putain, il n'y avait qu'une pipe dans ce coffre. On va monter. Mais il y avait une deuxième entrée. On va aller voir. Une tasse. Un coffre ici. Corde, on prend pas, hein. Tout ça, ça sert à rien. Ça non plus. Je comprends pas, elle m'avait donné une clé pourtant. Ah, c'est quoi ça? C'est peut-être ça. Clé de la grange solide. Ah, c'était curieux de savoir ce que ça ouvre. Effectivement, tout à l'heure, il y avait une porte qu'on ne pouvait pas ouvrir. On va aller voir ça. C'était
C'était où que ça ouvrait pas tout à l'heure? C'était ici, hein. Ouais, c'était ça. Quelqu'un a vécu ici. Putain, mais y a que dalle. Ah si, y a une inscription. Il y a quelque chose ici. Un coffre. Dolores. Sans Florin. Ah, je vais laisser. Je prends pas. Non, je prends pas. On va lui laisser, hein. Quand même. Ah, mais merde. Poussière d'émeraude, ça peut être intéressant. Ok, on a fait le tour. Alors, par où on peut passer? Parce que tout à l'heure, c'était un peu chaud, là. On va aller par là. Et on va se faire un TP. Voilà. Alors, qu'avez-vous découvert? Il n'y a plus de danger. Merci. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Par hasard, vous n'auriez pas trouvé mon coffre et mon petit trésor? Oui, c'est une récompense plus que généreuse. Vous l'avez amplement mérité. Il est temps que j'y aille. Que les dieux vous guident. Je l'appelle le baron sanglant parce que c'est un fou sanglant. Ouais, du sang. Bien le bonjour. Pourquoi il y a un point d'interrogation au-dessus d'elle? Oh, ben, il est parti, le point d'interrogation. Alors, un vendeur. Bonjour. Bonjour. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Un chef. Regardez trois cartes choisies au hasard dans la main de votre adversaire. Ouais, on peut. Carte d'unité de 2, de 3, 6, celle-là est pas mal, on va la prendre. Et puis celle-là, on l'a déjà, hein. Sonnerie de charge, on peut la prendre, allez, on peut la prendre. $290 pour du pain, t'es sérieux mec? Putain la vache, c'est cher. Oh. Bah, le pain ça coûte cher ici, hein. Dis donc. Bon vent. Maître Sorceleur, il y a un cimetière elfe dans les grottes près de Aubreuil. Et l'endroit est infesté de monstres. Ah, en manque de câlin. Ah. En manque de câlin. Alors, prochaine étape. On va faire quoi maintenant? Quête secondaire, réparer tout ça, ouais, ça on va le faire plus tard. La ligne de départ, on va faire ça plus tard. Retrouver le chaman à minuit au cercle de pierre sur
L'île de Fik et retrouver le chaman. On va faire les deux. Celle-ci, celle-ci. Et go. Alors, ça se passe où ça? Ça se passe ici. Bon, c'est bien, ça sauvegarde automatiquement. Ah, il avait déjà minuit, hein. Le tourment jusqu'à même dans le cri. Bonjour. Vous tombez à pic. Mes bons amis, ne tremblez plus. Voyez notre protecteur qui s'avance. Nous invoquerons bientôt les âmes en peine. Certaines seront au-delà de toute... Putain, c'est une secte, ça, ou quoi? Charge à vous de nous en protéger. Jusqu'à la fin du rituel, préservez-nous des créatures maléfiques. Ouais, vas-y. Protégez-nous et empêchez quiconque de pénétrer dans le cercle. Triste vie, triste sort. Tourment jusqu'à la mort. Même dans le trépas. Maître de son destin. Le mort se relève. Poursuivre son dessein. Accorder à ses âmes le repos éternel. Accordons le repos. Un orage. Manquez plus que ça. Ainsi commence la veillée des ancêtres. Ouais, il a sorti son épée, ça y est. Toi qui erres dans la nuit, prisonnier de tes chaînes, entends notre prière. Réponds à notre appel. Le silence est brisé. Casse tes couilles, là, la salope. Le prix. Réponds à notre appel. L'heure de la justice. Oh, mais merde, elle me casse les couilles. C'est brisé. Un esprit qui s'avance. Approche, esprit. Approche. Et cesse ton errance. Prends la parole, esprit. Révèle tes tourments. Qui êtes-vous? Il sait qui je suis.
voulez-vous que je le repousse? Non. Je viens pour toi, parricide. Ah bon? Quitte ce lieu, esprit maléfique. Crains la lumière du feu éternel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Arrêtez ça tout de suite! Les âmes errantes, elles ont besoin d'aide. Silence! Aidez-moi. Je dois prendre parti pour qui, là? Putain. Oh bah go, hein. Partez. Vous perturbez le rituel. C'est la magie. Nous ne laisserons pas ces yeux troubler le sommeil. Vous ne connaissez rien de leur tradition. Arrêtez-le. Et dispersez tous les... Oh, ça pue du cul, ça. Les bons amis, ne fuyez pas. Ne brisez pas le sang. Le sort s'acharne sur nous. Le sol consacré est souillé de sang. Hélas, il est trop tard pour tout arrêter. Tout ce sang, ça pose un problème. Le cercle est souillé à présent. Le rituel risque d'attirer des esprits assoiffés de sang. Espérons qu'ils ne seront pas trop nombreux. D'accord. Si eh ben vas-y. Je suis prêt. Mes amis, préparez-vous. La veillée n'est pas encore terminée. Réponds à notre appel. L'heure du jugement est proche. Heure funeste, nuit funèbre. Qui s'avance dans les... Oh la vache. Carrément une secte. Présence. Entre dans notre cercle. Heure funeste, nuit funèbre. Qui s'avance dans les ténèbres. Des spectres. Oh là là. Sacré et souillé de sang. Nous ne pouvons pas finir le rituel. Fuyez, braves gens. Si vous tenez à la vie, sauvez-vous. Putain, tu me dis, j'ai fait tout ça pour rien. T'as de saloperie. Hein. Oh, tu fais chier, j'ai tué tout le monde. C'est sans doute un paysan qui a averti les chasseurs de sorcières. L'esprit que les chasseurs ont fait fuir. C'était votre père, n'est-ce pas? Il va probablement revenir. Le chaman ne craint pas le vieux Ambrose. Bon. Le spectre vous a traité de parricide, c'est vrai? Oui. Si vous voulez que je vous aide, vous devez tout me dire. Pourquoi avez-vous tué votre père? Ah ouais, un parricide, ça. C'est quelqu'un qui tue son père. D'accord. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Vous avez peur du spectre, c'est clair. Vous êtes sous son emprise. Écoutez, je vais m'occuper du spectre. Je n'ai pas le choix. Mais pour ça, je dois savoir où son corps est enterré. C'est probablement son lien avec le monde des vivants. Le corps d'Ambrose est dans les marais. Très bien. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Bon. Ok. Putain, mais n'empêche, tout ce que j'ai dû tuer, quoi, pour lui. Fait chier, hein. Là, j'ai une épée, là. Encore une épée. Et je crois qu'ici aussi. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a ramassé. Tout, 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 tout. Ouais, rien de bien foulichon, foulichon. Et après, d'ici, tous les spectres et tout, et compagnie. Ouais, après, il y a des mutagènes. Tiens, il y avait l'autre, là, ça que j'avais tué, ici. Je me souviens bien, ici, là.
C'est un gros mutagène à récolter. Non, même pas. Trouver le corps du père du chaman dans les marais. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. C'est chelou. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah ouais, c'est la quête avec elle aussi qu'il y avait dans cet endroit. Je m'en souviens. Un parchemin. C'est ma petite copine. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, merci de demander. Comment te sens-tu? Bien dormi? Que veux-tu faire de ces documents? Je cherche juste à terminer un travail qu'une mort tragique est venue interrompre trop tôt. Alexander s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Il y a un bec d'affichage ou quoi? Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain? Ou il y a un spectre à côté d'elle? Par pur égoïsme. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. Soit tu es vraiment naïf, soit tu cherches à me manipuler. Qu'est-ce que tu veux dire? Radovid n'a qu'un seul objectif, vaincre Emir. Pour ça, soigner la Catriona ne lui sera d'aucune utilité. Donc je ne vois que deux solutions. Soit tu finiras au bûcher avec ses notes, soit Radovid t'obligera à les utiliser pour créer une arme. C'est ridicule, voyons. On ne peut pas contrôler des bactéries. Pas encore. Mais en théorie, c'est possible, non? Oui, et en théorie, un teckel peut engrosser une louve tant qu'on y est. Je n'ai pas le temps de débattre avec toi, Geralt. J'irai voir Radovid, que ça te plaise ou non. Oula. Tu vas avoir la mort de milliers de personnes sur la conscience ou et dire que j'ai couché avec toi. C'est vrai qu'on a couché avec elle. C'est vrai, c'est vrai. Alors si on ne peut pas la laisser faire, est-ce qu'on doit la tuer ou quoi? Putain. Oh, on va prendre la deuxième. Tu as bien conscience que la vie de centaines, voire de milliers de personnes est en jeu. Et alors? Que les légions de Nilfgaard meurent par l'épée ou par la maladie, où est la différence? Tu peux me le dire? On peut contrôler une épée, pas une épidémie. Voilà la différence. Oh, tais-toi et regarde-moi bien. Tu vois ça? Des punaises, Geralt, des punaises! Moi, Keramès, conseillère de Foltest et membre de la loge des magiciennes, je suis couverte de punaises! Dis ce que tu veux, mais je ne resterai pas un jour de plus dans ce marais sordide! Pas un jour! Tu m'entends? Je vais traverser le retard, et tôt ou tard, les hommes de Radovid me trouveront. Je n'ai pas le choix, tu comprends? Je serai forcée de négocier. Oula, c'est compliqué tout ça, ce qu'on doit choisir comme réponse. On va la laisser faire son truc, hein, tant pis. Il y a une autre option. Va à Kaer Morhen.
Tu crois que je serai en sécurité là-bas? Du moment que tu ne te mets pas Lambert à dos, oui. Lire, radeau vide, aucun ne pourra t'atteindre là-bas. C'est loin d'être luxueux, mais nous avons des draps propres. Ça fait une trotte et il faut traverser la frontière. Mais en restant à couvert des bois jusqu'au mont Kestrel, je devrais passer inaperçu. Très bien. Faut croire que je peux rien te refuser, beau gosse. Tu sais ce que veulent les femmes, hein. Bon, ça va, on a sauvé la situation. On va peut-être... Est-ce qu'on lui demande ses notes quand même? Ouais, elle pourrait changer d'avis, hein. Probablement. Mais avant de partir, je vais avoir besoin de ses notes. Très bien, très bien. Prends-les, ces notes. Au revoir, Geralt. Ou plutôt, à bientôt. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on... Ça s'est bien déroulé. Oh putain. Alors, qu'est-ce que c'est, Nat? Ok. Bon, maintenant, on doit aller voir le corps du père du chaman. C'est par là. Dans un trou perdu. Bon, on s'en sort bien, je trouve, pour cette quête avec... avec Hera, c'est ça, hein. Sauvegarde automatique. On va passer par là. Putain, il bat. Ils sont costauds quand même. Bon, il reste 100 mètres. Et ça se passe ici. Putain, je suis tombé dans un trou ici. Ok. Donc là, on doit être... J'irai peut-être à côté de la cabane quand même. Hey, monsieur, approchez pas du brouillard si vous tenez à la vie. Quoi? Qui c'est qui cause là? Attention, monsieur. Un monstre rôde dans les marais. Surtout, n'entrez pas dans le banc de brouillard. Parlez-moi un peu de ce monstre. Putain. Je l'ai vu qu'une fois, et encore, de loin, crépuscule. Au début, j'ai cru que c'était un homme. Mais ensuite, j'ai vu ses yeux rouges comme la braise, et ses longs crocs. Humanoïde et nocturne. À quand remonte la première attaque? La semaine dernière, je dirais. D'abord, Borin a disparu. Et puis Merek et Tomil sont partis le chercher.
ils ne sont jamais revenus. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Ah, c'est quête sur quête, hein. Nous allons dans les marais. Quête sur quête. Les campements sont déserts. Et pourtant, vous ne trouverez pas de meilleures troupes dans toute la région, vous pouvez me croire. Je vous crois, mais revenons à nos moutons. C'est vous qui avez posté l'annonce à Cutérier? C'est bien moi, oui. Un scribe m'a demandé une douzaine d'œufs pour l'écrire. Au moins, quelqu'un l'a lu, c'est déjà ça. Bah ouais. Je peux vous aider, mais pas gratuitement. Oh, le bâtard. Bien sûr, bien sûr. Toute peine mérite salaire, non? On s'en fout de combien tu vas payer. Il est temps que qu'on se mette au travail. Me mettre au travail. Où est le monstre? Au sud, pas loin d'ici. Mais attention à vous. L'air des marais est toxique. Il pique les yeux et brûle la gorge. On a l'impression d'avoir avalé des ronces. Bon, on la fera tout à l'heure, hein, t'inquiète, ok? Là, on doit trouver le corps du père du chaman. On va trouver des indices. Ah bah ici, quel con. Corps d'Ambrose est encore bien conservé. Même à l'endroit où le chaman lui a fracassé le crâne. Je vais brûler le corps. Ça devrait suffire pour chasser le spectre. On va faire un petit coup d'ini. Trouve la paix, esprit. Et quitte à jamais le monde des vivants. Bon, on doit retourner voir le chaman. On va faire la quête là qui m'a dit le gars. Alors c'est quoi cette quête? Cette quête, c'est quoi? Retrouver le voir le chaman, ok. Ah, c'est un contrat de sorceleur, ça. C'est sûr. Créature des marées, niveau 12. Alors, on va se la faire quand même. Niveau 12, on peut la faire. Il nous dit là-bas. Faire la petite sauvegarde qui va bien. Il y a du monde, hein. Je sais pas ce que je dois faire. Attends, découvre qui tue les gens dans les brouillards. Ok. Une illusion. Ici. Les empreintes ont été effacées par magie. Ça commence à devenir intéressant. Différentes traces de griffures. Ils étaient plusieurs. Ok. Donc apparemment, ça va par là. Ce n'est pas un brouillard ordinaire. L'odeur est presque métallique. Putain, le souffle. On n'a pas une petite potion, là, qu'on...
potion par hasard? De l'huile, non. Potion. Ah, ok, non. Non. Ça va être galère, ça. Je sens que ça va être galère. Après, on a des potions ici. Attends, c'est du sang, hein, du sang de monstre. Ça. Bon, on va devoir faire un peu d'alchimie. Hein. Alors, ça, c'est pas de l'huile. Ouais, peut-être des potions. Ouais. Alors, adrénaline. Non. 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 Aux effets critiques, réduisant la vitalité subie. Non, c'est pas ça. Non. Non plus. Alors, les spectres, loup-garou. Ici, miel blanc. Peut-être ça. Ouais. Peut-être ça, parce que c'est fait à partir de la fleur que je viens juste de ramasser. On va regarder si on peut ramasser d'autres fleurs comme ça dans le coin. Pour en faire 2-3 quand même. Mais je pense qu'on est dans le vrai là, avec cette potion. Il faut aller dans cette baraque là. Chier. C'était pas avec ça. C'était une petite fleur rouge. Il y a peut-être quand même un passage. Hein. Ah. Ah, c'était ça. C'était ça, la fleur. Alchimie. Alchimie. Non, bon, on peut plus en faire. Mais normalement, je l'ai ici. Là. Elle est où? Elle est là. Ici. Équiper. On va l'équiper à la place de ça. Voilà. On va sauvegarder, hein. La petite potion, j'ai pas envie de me la retaper. Putain, les traces de pas, ça a l'air énorme quand même. Le cadavre est presque entièrement décomposé. C'est sans doute un vieux brumelin, caché derrière une illusion. Un petit coffre ici. Ça
sent le coffre, hein. Tiens, il y a un corps là. De l'eau. Ah, une petite fleur pour la petite poupeau. Ah, là-bas, il y a un mur. D'accord. Un mur et un cadavre ici. On va aller voir le cadavre. Non, il parle pas, le cadavre. Il nous parle pas, le cadavre. Quelqu'un a créé une illusion ici. On sent une petite sauvegarde, quand même, encore. Putain, il y a du stuff ici. Oh, schéma épée, argent de l'ours, de l'école de l'ours. Ça, c'est bien, ça. Ah, j'aime bien quand il y a du stuff, là, comme ça, là. Qui tombe à pic, qui tombe du ciel. Oh, putain, c'est quoi les carreaux explosifs? Niveau 19. On a ramassé ça aussi. C'est quoi, ça, carreau de pisteur? Saignement x 100%. Bon, après le reste, hein. C'est pas foulichon, foulichon. Ah, là aussi, il y a un truc. Un schéma. Ok. Pour fabriquer quelque chose. On va sur sauvegarde, hein, parce que... Je sais pas, je... ça paraît un peu trop facile, quand même. Ah, petite cinématique. Il est pas beau, lui. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Ah ouais, quoi? Ah ouais. Ouais. Ah ouais, il envoie du pâté, hein. Même si je lui fais mal. Ah, je le savais, hein. J'ai bien fait de faire une sauvegarde, hein. Je savais que ça puait. Ça sentait pas bon, cette histoire. Ah, les temps de chargement quand tu meurs, c'est... Hop. Oh, c'est pas un petit truc. Un petit peu de badois.
Ok. Donc là, on va... On va aller voir au niveau des popos, là, parce que... Hors combat. Ok. Ah, une petite huile peut-être. Est-ce qu'on l'a dans le bestiaire ou pas? Nécrophage. C'est lui qu'on a. Alors, bombe. Huile contre les nécrophages. Et signe du Queen. De l'huile contre les nécrophages. Ici. Ça, c'est bon. Il parle de Queen. C'est lequel, ça, le Queen? Ouais, c'est ça. Créer un bouclier de protection. Hein. Je m'en doutais. Hein. Je m'en doutais. Hein. Allez, go. On va passer tout ça. Putain. Oh putain, bâtard. Oh. T'es sérieux? Oh bah l'huile contre le nécrophage. Ah ouais. Je sais pas, je le sentais. Putain, ça pue du cul cette mission là. Bon, on va se remettre l'huile de nécrophage et puis on va serrer les fesses. Hein. Oh, il m'a mis 3 coups. Hein. On va regarder si on n'a pas une potion pour... Bah, peut-être pour avoir plus de défense, quoi. Qu'est-ce qu'on a en potion? Ici. C'est quoi nécrophage ici?
50 de vitalité. 80. Parce que moi j'ai quoi? En vitalité, c'est ça dit quoi? 50 de vitalité. 50 de vitalité. 50. Bon, on va serrer les fesses. Hein. Attention, attention. Oh là 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 là, va te faire foutre, putain. Oh là là. Ah, oh, c'est horrible. Mais j'étais bien, j'étais bien. Ouais, il faut serrer les fesses. Hein. On se le fait une dernière fois. Et ça va passer. Ok, ici, au niveau d'inventaire, ce qu'on va faire déjà, hop. Enduire d'huile, ça c'est fait, ensuite. Et ici on va équiper là.
C'est combien? 650? 650? Et ça? 80? Jus de pomme, 80? Fais pas le malin. Fais pas le malin. Reste mobile. Là. Comme ça. Ça, ça dégage. Oh bâtard. Attention, hein. Je t'ai vu. Je t'ai vu, petit PD. Tiens ta gueule. Yes. On l'a eu. On l'a eu. Oh putain, il a une belle épée apparemment. Trophée. Et crac. Ouais, j'ai hâte de voir son épée. Hein. Ça a pas l'air dégueulasse. Tiens, bim. Donne-moi ta tête. Je crois qu'il va prendre la tête. Hein. On l'a décapité ici. On va aller voir tout de suite dans l'inventaire. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est ça. C'est ça qu'on a gagné. Oh, c'est pas tough, tough. Hein. Fais voir un peu. Ah ouais, il y a trois emplacements. Chance de coup critique. Bah là, mienne, elle est mieux, hein, quand même. Perso... Après, fait peut-être un peu plus de dégâts. Et après, c'est quoi que j'ai ramassé là? Ouais, gros mutagène. Oh, on va un petit peu quand même visiter la grotte, faire la sauvegarde qu'il faut. Pas envie de crever en me faisant tuer par une fourmi, hein, par exemple. Mais ouais, la grotte, elle a l'air ça a l'air d'être champiflore, hein. Attends, on est, parce que nous on est venu par où? C'est ça le truc. On arrive de où, nous?
Ici, donc ici, il y a une sortie. Ouais, c'est ça, on n'est pas venu ici, il n'y avait pas tout ça. Putain, il y a des pauvres bonhommes et tout. Hein. Qui sont dead. Tu peux grimper, ouais. Ok. Il était coriace. Oh putain. T'avais pas le droit à l'erreur. Hein. Tiens, je vais reprendre un peu de ça là. Il est où notre poteau là? Il est où? Ah ouais, grosse quête, hein. Petite quête, mais gros zizi. Ouais. Tu comptes. Le monstre est mort et le brouillard est dissipé. Ah, vous nous avez rendu un fier service, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Merci encore et bonne route. C'est très bien ça. Très bien. Il a tapé sur son doigt, le con. Donc, on doit aller retrouver maintenant le type là. Le vieux. On doit retrouver le vieux là. Parler au chaman. Voilà, c'est ça qu'il nous restait à faire. On devait aller voir le chaman. Alors pour bien faire, on va aller là. Nice, je suis content. Je suis content d'avoir tué cette bestiole. Après, il faut regarder les améliorations qu'elle peut apporter en ayant découpé sa tête. On va regarder ça tout de suite. Ah, c'est ça, c'est Ablette. Hein. Je crois qu'elle l'a déjà mis sur le truc là. Ah ouais, c'est ça. 5% de bonus d'or. Il l'a déjà mis. Ok. Ouais, mais non, moi je préfère les démembrements. 5% de bonus d'or. Ah. Allez. C'est beaucoup plus joli ici que dans les marais. Qu'est-ce qu'on en aura fait des trucs avec ce chaman?
loup sage. Quels sont vos désirs? J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai dû le brûler. Vous avez bien fait. Il serait revenu me hanter, c'est sûr. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous tué votre père? C'était un homme mauvais. Le chaman vivait dans la peur autrefois. Et puis maintenant, ce que son père infligeait à sa mère, le chaman ne pouvait même pas regarder. Alors, il lui a fendu le crâne avec une hache. Il l'a jeté dans les marais. Mais les gens savaient. Le spectre ne reviendra plus. Merci, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Et si un jour vous avez besoin d'herbe ou de remède, le sorceleur, je vous ferai un prix d'amis. Mmh. Ouais, tout à l'heure, 250 XP hein, pour la quête de tout à l'heure. Hein. Là, c'est 50 en ayant fini la quête du chaman. Bon. On va... Chaman, montre-moi ce que j'ai tu as. D'ingrédients pour potion. Chaman. Bon, est-ce qu'on peut lui vendre des trucs? Putain, on peut pas lui vendre. Fais voir ce qui coûte plus cher. 27, 12, 10, 4, 12. Ouais, rien qui trier, quoi. Je comprends pas comment ça se passe ce truc. 10, 10, 6, 6, 1, 3, 1, 6. Ah, c'est peut-être trié dans la totalité, alors peut-être. En tout, il y en a pour 108, 91, 60, 48, 60. Pff, bah non, c'est pareil. Bah, je sais pas, je vois pas. Je vois pas trop de changements. Et surtout que ça pèse rien, ça, donc. Alors, montre-moi. Peut-être des trucs... ...90... Et ça, c'est quoi, ça? 400... 419, quoi. Il se fait pas chier, le grand-père. Combien reprend ça par exemple? Moi, 4 pièces, putain. Ok. Adieu. Bon, bah, c'est très bien, on va arrêter là. On va arrêter là, c'était superbe. Bonne petite session encore de The Witcher. On a l'impression qu'on n'a pas fait grand chose. Hein. Ça passe tellement vite, tellement vite. Mais c'est vrai que quand on se lance dans une quête, ça va très très vite. Hein. Le temps il passe tellement vite. Pour ça, je pense qu'il y a un bon paquet d'heures pour ce jeu. En plus, il y a les DLC qui sont déjà inclus dedans. Moi, je pense qu'on peut se faire facilement 300 heures de jeu là-dessus. Je pense. Enfin bref, sur ce on va arrêter là, je vais couper la vidéo et je vais aussi pour finir vous remercier à tous de suivre mes vidéos. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Laissez pas laisser des commentaires sur YouTube par exemple, parce que je vais la balancer sur YouTube.
Mes streams se font tous sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch. Comme ça, bah, quand je lancerai un live, vous aurez une notification qui apparaîtra et vous pourrez venir participer au live. Ça fera toujours.